sur le match, la première mi-temps était de très très bon niveau des deux côtés, beaucoup d'intensité. On a réussi à scorer. Et en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de peine physiquement, je pense. On a raté des occasions. Et par contre, Sunrise est resté très tonique, difficile à jouer. On a souffert. On aurait voulu mettre le deuxième pour nous rassurer, mais on l'a raté de peu. Ça fait un match de haut niveau, en tout cas de haute intensité. C'est bien, il a failli scorer. C'est vrai que c'est pas évident pour un joueur de rentrer juste à la fin, mais il nous a apporté, il a failli marquer. Je crois que c'est bien pour le groupe. On essaie de récupérer des joueurs parce qu'on a là on avait que 19 joueurs. On est à flux tendu comme on dit. Il y a des malades, il y avait un suspendu, des blessés. On va essayer de récupérer au plus vite Victor Bahoma. Victor, il est pas loin, mais il est pas encore avec nous. Mais on a besoin parce qu'on est sur une série de matchs tous les trois jours gigantesque. Hein. Depuis janvier, on n'arrête pas. Et ça commence à peser, on le voit sur la deuxième mi-temps. Je pense que les pertes de balles sont dues à une certaine fatigue. Et le retour de Clément? Alors Clément, on a un problème. C'est que le match précédent, le jour du match, il me dit qu'il a la fièvre et il est malade. Là, hier, il me dit qu'il est malade. À chaque fois qu'il y a un match, il est malade. Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas. La grippe, peut-être. En tout cas, il a fait des tests, la malaria, il n'a pas la malaria. Et peut-être la grippe. La grippe qui s'en va, qui revient, je ne sais pas. Monsieur Christian, ça fait à peine quelques matchs, vous ne pouvez pas déplacer. C'est votre tactique, c'est votre façon de jouer. Non, ce n'est pas qu'on ne fait pas. Pardon. C'est pas qu'on fait pas, mais c'est vrai que rentrer dans un match comme ça, c'est pas évident en fait. Le rythme est très très important. C'est le choix quoi. C'est mon choix. Mais c'est vrai que beaucoup de mes choix sont discutés. Mais c'est normal hein, qu'ils soient discutés. Et celui-là, on peut le discuter. C'est vrai quand on a une série de matchs importants, nombreux, on peut faire des changements. Mais c'est pas évident d'entrer dans les matchs. Ah, ça fait longtemps qu'il joue parce qu'en fait, Cheiboub est un joueur offensif et il avait, pour moi, la capacité de marquer. Et c'est vrai que depuis deux matchs, il a scoré, il se déplace très bien, il se déplace comme un milieu de terrain, mais un attaquant vers l'avant. Et il me semblait que c'était lui le plus apte à garder les ballons, à jouer un peu comme Victor, parce que Victor participe beaucoup au jeu. Donc j'ai fait le choix, je sais que j'étais attendu, comme tous les choix que je fais d'ailleurs, mais c'est la vie d'un entraîneur, on fait des choix, des fois ça marche, mais généralement on essaie de trouver les meilleurs choix pour les joueurs, pour qu'ils nous aident, parce que dans une saison, de toute façon, on est obligé de déplacer des joueurs avec les suspendus et le blessé, et ils nous rendent bien service. Alors, et c'est vrai que dans votre vestiaire, rien ne va pas ou ce sont les autres? Alors, c'est bien que vous me posez cette question-là. J'allais parler. Non, vous pouvez rester. J'allais vous en parler. Alors, Salomon parle d'une personne mauvaise. Il dit que c'est une mauvaise personne. L'adjoint, tu me dis, si je ne me trompe pas, c'est ça qu'il a dit. Comment peut-on dire que quelqu'un est mauvais alors qu'il emploie? Il parle des origines de la personne. Est-ce que c'est bien de parler de... Il dit que s'il s'approche, il lui aurait mis un coup de poing. Est-ce que ça, c'est une bonne personne? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui est la mauvaise personne. Je ne sais pas. Pour qu'un joueur parte sous contrat, il faut que lui donne son accord et que le club donne son accord. Donc, je pense que tout le monde était content. Là où je suis aussi déçu, c'est que personne au club n'a pris la défense de l'adjoint. Vous savez, l'adjoint, il est comme moi, il vient une heure avant l'entraînement, il a APR tous les jours. On est une heure avant l'entraînement, on s'installe. Et quand une personne qui n'est plus au club
crache sur lui, je trouve qu'il serait un peu poli de le défendre. Parce que ce qu'il dit, ça ne veut rien dire. Il dit tout et son contraire. C'est lui le méchant. Ça fait 7 mois qu'il est avec nous. Il n'a jamais demandé un entretien. Et les choix, c'est moi qui les fais. S'il avait été costaud, fort, il serait resté. C'est un jeune de 21 ans qui joue un Rwandais, qui joue à sa place. On est la meilleure défense. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais ça ne l'empêche pas d'être poli et de respecter les gens. Merci. Pour cette question. Donc, pour vous, c'est Salomon qui va passer. Non, c'est pas Salomon. Salomon, c'est un bon garçon. Il a très bien fait son travail. Là, il a dérapé. Il a dérapé, il a dit n'importe quoi. On ne peut pas dire à quelqu'un c'est une mauvaise personne et parler de ses origines. C'est du racisme. On ne peut pas parler de quelqu'un en parlant de violence. Vous vous rendez compte? Moi, je ne sais pas, ça me choque. Il aurait pu employer d'autres mots. Il a employé des mots qui interpellent. Et ça, ce n'est pas bien. Je trouve qu'à l'issue de ce match, quand on reprend, on va reparler de ce match-là. Au bout de 5 minutes, quand vous avez une minorité de public qui demande « coach out », qu'est-ce que ça veut dire? Qui critique Placide? Placide, il a été impeccable ce soir. Qui a critiqué Placide? Ce sont des gens qui ont APR, mais ils travaillent pour l'adversaire. Ils travaillent pour tous ceux qui sont contre nous. Ils ont failli mettre un but contre leur camp. Moi, j'appelle ça comme ça. Et encore une fois, personne au club n'a réagi à ça. Ça fait trois fois que je suis interpellé. Maintenant, je vais vous donner un chiffre. Nous sommes premiers. Nous sommes meilleure défense, meilleure attaque. Nous sommes invaincus. Et ces gens-là demandent le coach qu'ils sortent. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'ils aillent voir. Vous savez qui, pourquoi je suis là? Parce que les dirigeants m'ont fait signer un contrat. Ce n'est pas moi qui suis venu. On m'a demandé de venir. J'ai trouvé un accord. Donc, s'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent voir les dirigeants. Il n'y a pas de problème. Moi, je fais mon travail tous les jours. Je peux leur donner rendez-vous à Chirongui. Je suis tous les jours, 1 heure avant, on installe. Tous les jours, ils viennent. Demain, on va y aller. Je peux leur donner rendez-vous à 14h15. Je suis à Chirongui. Qu'ils viennent me voir. Je vais leur expliquer comment je travaille. Je fais des choix. Je fais des choix. Je prends des options. Voilà, c'est mon travail. C'est tout. Oui. Moi, je suis professionnel, c'est-à-dire que je suis employé par l'institution. C'est-à-dire que l'institution me donne des joueurs à gérer. Je fais un travail professionnel. Je n'ai pas d'amitié avec les joueurs. J'ai un travail professionnel. C'est ça, être professionnel. Vous comprenez? Quand ils ont un problème, ils viennent me voir, je leur explique. On m'avait dit, avant la trêve, « Oh, il y a un problème avec Cheboub. Il y a un problème avec Cheboub. » Mais c'est des trucs inventés. Il n'y a jamais de problème avec les joueurs. Ils ne sont pas d'accord, on s'explique. Mais voilà, il n'y a pas eu de problème avec qui que ce soit. Vous me parlez de Salomon. Salomon, il est arrivé en retard. On lui a fait un programme individuel. Et c'est l'adjoint qui s'est occupé de lui. Et on n'a pas loupé une séance avec lui. On l'a pris toujours en compte. Après, je vous mets des coups, hein, excusez-moi. Après, le football, c'est de la concurrence. Quand on est fort, quand on est très fort, on est un grand joueur. Ce n'est pas un gamin de 21 ans qui va prendre sa place. Donc c'est ça le... Moi, je fixe un cap et les joueurs doivent suivre. S'ils ne suivent pas, c'est leur problème, ce n'est pas mon problème. Moi, je travaille pour l'institution. Le plus important, c'est que le club soit content. Voilà. Les fans, lesquels fans? Oui, ceux qui nous encouragent. Je remercie à chaque fois, je l'ai dit. Si on est unis, on sera fort. Et l'unité, c'est avec les fans. Et pendant 90 minutes, il faut soutenir les joueurs. Après, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. En tout cas, ils font ce qu'ils veulent. Mais si on est unis, on sera fort. Et quand l'adversaire nous voit unis, ils peuvent être inquiets. Voilà, je vous remercie.